Uranissa a choisi parmi toutes les propositions cette architecture, un dicycle. Un dicycle, c'est un véhicule avec deux grandes roues, dont le centre de gravité du pilote est en dessous de l'axe des roues. Le véhicule est stable s'il ne bouge pas. Il ne se doutait pas des difficultés qui les attendaient. Première étape, la conception mécanique. Certaines parties sont assez classiques. La plus grande difficulté a été de trouver des roues de 1,40 m. Elles ne se trouvent pas dans le commerce. Il faudra les fabriquer selon ce modèle. Voici quelques étapes de la fabrication mécanique. La partie électronique ne devait pas poser de problème. Donc le cœur du dicycle, c'est l'accéléromètre, gyromètre, dont les informations vont être traitées sur la carte DSPIC afin d'extraire un angle pour l'équilibre. En fonction de cela, on pilotera la carte moteur en RS232. On retrouvera des composants tels que la carte LCD qui permet l'affichage d'informations nécessaires au débugage ou une carte Wi-Fi qui permet le pilotage à distance. Malheureusement, les premiers essais n'ont pas donné les résultats attendus. La commande à distance était plus délicate encore que le pilotage par étudiant embarqué. Nous allons comprendre pourquoi grâce à l'aide du logiciel Flowcode V6. L'intégralité du véhicule est simulée. Le pilotage se fait à l'aide du potentiomètre. Les équations du moteur et de la dynamique mécanique sont entrées dans le simulateur. Ici on a une puissance envoyée qui est proche de zéro. On va démarrer à pleine puissance pour voir ce qui se passe. Vous voyez que c'est problématique. On a un balancement assez important, ce qui est assez dangereux pour le pilote. Et si on freine, vous voyez qu'on a un risque non négligeable de retournement. Ouais, d'ailleurs, c'est ce qui se produit ici. Une première solution de régulation, c'est de limiter la puissance. Donc, on peut y arriver ici. On voit que en limitant la puissance, et bon, on a un angle qui est limité, problème, on voit ici que notre vitesse reste elle aussi limitée. On va maintenant simuler la régulation. Pour ça, on appuie sur la mise en route de la régulation ici. Donc maintenant la régulation est en route. Regardez ce qui se passe ici, on démarre à pleine puissance. Et qu'est-ce qui se passe si on démarre à pleine puissance? Vous voyez que l'angle est limité. Le comportement du véhicule virtuel est proche de la réalité. L'algorithme de stabilisation peut ensuite être directement porté dans le programme à télécharger dans le véhicule réel.